Pardon, 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 pardon. Regardez-moi ça. Attendez d'abord, je vais d'abord essayer parce que là, j'ai nettoyé mon visage. Mais, je suis sec. Mais je suis. Mais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un soin skincare. Voilà, j'étais en train de filmer. N'est-ce pas que je suis jolie? N'est-ce pas que je suis jolie? Donc j'étais en train de filmer. Donc là j'ai fini. Je voulais profiter pour faire un soin et donc de tester un soin que j'aimerais partager avec vous et j'espère que ça va bien bien le faire. Oui, il s'agit bien d'un soin avec du concombre et de la tomate. Voilà, du concombre et de la tomate. Donc pour ce soin-là, je vais faire au fur et à mesure. C'est un soin, il paraît, un soin hydratant, en même temps éclaircissant. Donc, quand je parle d'éclaircissant, c'est plus clarifiant. Parce qu'on sait tous que, voilà, moi, j'ai pas envie de m'éclaircir la peau, ok? Donc, voilà. Donc, avant de commencer, n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi, tout et tout et tout et tout. Et à me donner ton point de vue dans les commentaires. Donc, dans ce soin-là, ça sera... je vais faire une lotion et un gommage qui va faire de office de masque en même temps. Voilà, masque en même temps. Donc voilà, sans plus tarder, ben, on va passer d'abord à la préparation. Je vais d'abord découper tout ça. Mais avant tout, je vais d'abord me démaquiller. En fait, je vais d'abord me démaquiller parce que là, je suis trop belle. Oh. Oh, je suis trop jolie que j'ai même pas envie de me démaquiller. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Donc, je me démaquille et ensuite, je reviens. Alors, voilà, je me suis démaquillée. Je vais un peu zoomer. Comme ça, ben, je suis un peu sombre, hein. Pourquoi? Pourquoi je suis un peu sombre là? Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Donc là, je me suis démaquillée, comme vous avez pu voir. Je vais faire ça. Je vais zoomer et je vais faire ça. Donc voilà. Donc là, je me suis démaquillée. Donc on va ensuite faire le sein ensemble. J'ai trop trop hâte. On va faire avec ça. Donc c'est le concombre et la tomate. Donc c'est un soin que j'ai vu. J'aimerais bien 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 tester ça. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc je vais utiliser mon couteau. Je vais d'abord les éplucher. Est-ce que c'est nécessaire de d'éplucher? Est-ce que je dois vous montrer comment est-ce que j'épluche ça? Mauvaise nouvelle, mon concombre était totalement gâté. Donc, on va faire avec ça. On va faire avec la tomate uniquement. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais découper ma tomate. Je vais découper la tomate en deux. Donc, pour faire le gommage, j'aurai besoin de la tomate et je vais prendre le sucre. Ça sera pour faire le gommage. Donc, je vais juste utiliser une seule tomate. Pas besoin d'utiliser beaucoup et tout. J'ai juste utilisé une seule tomate. Et l'autre partie, ben, je vais faire la lotion. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon sucre. Je vais prendre mon sucre. Je vais poser ça là, sur son couvercle, avec mon couteau, bien sûr. Je vais prendre ma tomate, je vais en plonger ça là, ok? Je vais vous montrer.
pour vous montrer comment est-ce que je plonge ma tomate. Donc voilà, je mets ça dans du sucre là. Dans du sucre là. Donc je fais juste ça. Je vais plonger. Vous voyez? Je vais plonger. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer ça sur mon visage, ok? Donc, je fais ça. C'est hyper froid. Franchement, c'est hyper froid. Désolée si je regarde là, c'est mon miroir. Je plonge encore et je continue. Vraiment, pensez à mettre quelque chose en bas pour les résidus là, d'accord? La tomate, elle est bien juteuse. Donc ensuite, j'hésite pas à prendre avec mes mains comme ça le sucre et à passer là. Vous voyez? Pour que ça fasse bien un effet gommage. N'hésitez vraiment pas à faire ça. Le premier constat que je fais déjà, c'est hyper doux. Genre, la sensation, elle est vraiment, vraiment agréable. La sensation, franchement, elle est hyper agréable. Vous voyez? Je mets vraiment, vraiment, vraiment. C'est en même temps un masque et en même temps un gommage. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un deux en un. Je vous recommande de tester. En fait, sur le visage, vous sentez vraiment la douceur de la tomate. Et pour ceux qui savent pas, la tomate, c'est en éclaircissant. Vraiment, j'hésite pas, je reprends vraiment la tomate et je fais ça. Voilà, je reprends mon sucre avec ma main et je gomme. Vraiment, il n'y a rien de fou. Rien de fou. C'est plutôt agréable, je trouve, hein. Je sais pas pour vous, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment hyper agréable. N'hésitez pas à le tester, n'hésitez pas à refaire ça à la maison. Et à me donner votre avis dans les commentaires si vous avez testé. Ensuite, je vais reprendre encore ma tomate. Je vais encore appliquer sur mon visage, comme ça. Je vais encore appliquer sur mon visage, comme ça. Et je vais laisser poser. Pendant, il est 12h50. Je vais laisser poser pendant 10 minutes. 10 minutes. Ensuite, je vais rincer. 10 minutes de pause. Et ensuite, je vais rincer. Franchement, n'hésitez pas à tester. C'est hyper simple à faire. Vous avez juste besoin de la tomate et de votre sucre. Rien de fou. Et vous voyez, regarde, j'ai pris même le miel. J'ai pris le miel parce que je me disais peut-être que j'allais avoir besoin du miel si la tomate a séché un tout petit peu ma peau. Mais en fait, non. En fait, non. En fait, c'est hyper doux, genre. Et après, on se retrouve ben, tout à l'heure lorsque je vais rincer mon visage. Comme ça, vous allez un peu voir. Je vais rien appliquer, hein. Rien du tout. Voilà un peu mon visage. 10 minutes plus tard, ça colle vraiment. Ça colle très très bien. Là, je me dis, c'est bon, Janie, tu peux aller rincer ton visage. Dans les gars, là, je vais aller rincer mon visage et après, je vais vous montrer. Mais déjà, quand je vois ma peau là, je sais, je sens que, voyez-vous-même, non? Que ça sera joli, que ma peau elle sera hyper douce. De toute façon, vous allez voir. Vraiment, n'hésitez pas à tester. En fait, juste la tomate et du sucre. Attends, sérieux? Juste la tomate et du sucre, en fait.
N'hésitez vraiment pas à reproduire ça et venez me dire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire toutes les semaines, c'est-à-dire une fois par semaine, je vais faire ça. Et après, on va voir l'évolution. Peut-être ça va me donner un temps un peu plus net, un peu plus clarifié et tout. Donc, je pense que si vous voulez des résultats plus visibles et tout visibles, il faut être régulier. Donc, je vais rincer mon visage et après, on se capte. Pardon, 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 pardon. Regardez-moi ça. Attendez d'abord, je vais d'abord essuyer parce que là j'ai nettoyé mon visage. Mais je suis sequée. Attendez, je vais. Mais les gars, je suis choquée. Regardez. Franchement, reproduisez ce masque-là. Les gars, reproduisez ce gommage masque. Je ne sais pas comment vous allez appeler ça, ce deux en un. Non, mais je coupe la vidéo en fait. Je coupe la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement hydrater ma peau et puis, voilà quoi. Non. Prenez soin de vous les gars. On se dit prochainement pour un autre crash test. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner.